Vous avez un chien qui n'en fait qu'à sa tête. La femme que vous allez découvrir peut peut-être faire quelque chose pour vous. Passionnée de comportement canin, Catherine Casper a lancé à Brunstatt sa société il y a 2 ans. Son principe, dialogue et méthode douce pour donner un cadre à l'animal et à son maître, Loïc Schaeffer, Nicolas Meyer. Avant d'arriver dans sa nouvelle famille, Tyson a été abandonné 3 fois. Des traumatismes pour ce malinois nerveux, mal dans sa peau, qui pouvait aller jusqu'à mordre. Là, par exemple, j'étais comme ça. Le chien, forcément, cherchait à défendre sa gamelle. Donc, il se retournait. Il y avait un comportement très agressif, très protecteur. Aujourd'hui, on peut s'approcher de lui, on peut prendre la gamelle, il n'y a aucun problème. Recule. Assis. Tu restes. Un chien apaisé, mais que ce fut dur. Pour en arriver là, cette propriétaire a fait appel à Catherine Casper, spécialiste du comportement canin. Il faut que lui comprenne que vous ne lâchez pas le steak, c'est à vous de tenir bon. Fixation d'un cadre, de règles claires. Avec un chien, il n'y a que ça qui fonctionne. C'est simple, c'est comme un rond-point où il n'y a normalement qu'une sortie, c'est celle qu'on attend du chien, donc on le travaille comme ça, on le construit tout droit, comme un rappel, tout simple. Et si le chien, il apprend parce qu'on fait des erreurs, on oublie d'anticiper et de manager la situation, il va se prendre des sorties un petit peu comme il veut. Passionnée depuis l'enfance, Catherine Casper s'est lancée depuis 2 ans dans le coaching pour chiens et maîtres. Depuis peu, elle propose aussi de prendre l'animal en pension chez elle. J'ai le temps d'être détendue, le chien aussi, et des fois ça peut durer plusieurs heures jusqu'à ce que j'ai bien intégré le caractère du chien et le problème, et comment le traiter. Hop là ! Une méthode douce sans forcer la patte. La patience, vertu souvent négligée selon cette orinoise. Plus de 7 millions de chiens en France et trop d'adoptions sur un coup de tête. Entre le coup de cœur, le cadeau de Noël qui vient embellir la fête et puis qu'en été c'est déjà nouveau de trop, on peut être étonné de ce que ça peut demander finalement comme temps d'entraînement et de mise en place de codes pour avoir une vie harmonieuse. On y va ! Resociabiliser aussi grâce aux promenades collectives. La formation de Catherine Casper n'est pas reconnue en France. Son savoir-faire, lui, ne fait guère de doute.